La seule façon d'être libre, c'est quand on aime tout, quand on est extasié devant les choses. C'est quand on est extasié devant les choses qui se manifestent sans que la pensée ne réponde. C'est-à-dire, aimer, c'est ça, c'est accepter de regarder ce qu'il y a sans juger, sans condamner ce que l'on voit. Et il me semble que ça soit maintenant dans notre société la chose la plus difficile qui soit donnée à faire, parce que nous sommes conditionnés à critiquer, à condamner, à juger et à élaborer une réalité qui n'est pas vraie. C'est-à-dire, on cherche à faire exister quelque chose que notre pensée désire. Donc, nous sommes beaucoup dans la pensée, dans le mental, et ce mental nous empêche d'avoir un esprit accueillant, qui ne refuse pas l'autre tel qu'il est. C'est parce qu'on a dans notre esprit déjà des schémas de pensée prescrits qui nous dictent comment les choses devraient être. Et nous avons appris ça toute une décennie. Et nous avons dans nos têtes la façon dont les choses devraient être pour que moi, je puisse être bien. Et ce moi, justement, fait de toutes ces idées, il va accueillir les événements avec l'idée qu'il a de comment l'événement devrait être. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'acceptation. Et l'issue, c'est de pouvoir accepter tout ce qui nous entoure, tel que c'est, sans comparer, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, pour que l'esprit puisse avoir cette liberté d'accueillir le bon comme le mauvais, le bien comme le mal, sans jugement. Ça veut dire que l'esprit est libre de toute entrave, de voir la réalité de ce qui se joue. Et dans cette liberté, alors, il y a de l'union. Déjà, en soi se trouve l'harmonie, puisque nous avons accepté de laisser les idées dans lesquelles on se complaît, parce que ces idées que nous avons, ce sont des schémas prescrits par la norme établie et qui a été propagandisée toute une vie durant. Et toute cette vie, on a amassé des idées, des schémas de comment les choses devraient être. Ce que tu es, c'est ça, c'est cette entité qui est justement le programme de toute une génération avant toi qui a dicté la marche à suivre. Et pour être libre de ça, il faut que tu acceptes d'être toi-même, d'être vide, de ne pas être submergé par tous ces schémas de pensée. Tout simplement, d'être émerveillé par la beauté qui t'entoure et être en connexion avec toute cette beauté fait justement que les pensées n'ont pas de grippe sur l'esprit, parce que l'esprit est emporté par la beauté. La pensée s'estompe, elle se tue et ton esprit est libre alors de fonctionner normalement, concrètement. Il agit de manière libre
pour accueillir tout ce qui se joue. Et aujourd'hui, aimer dans ce monde est devenu la chose la plus difficile, parce que nous sommes tous imprégnés de toutes les idées de comment les choses devraient être. Donc, quand on va vers l'autre, on s'attend à ce que l'autre va nous donner ce qu'on attend. Et en fait, tout ça, c'est un jeu qui fait que les relations sont en conflit. Nous ne savons pas nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes. On accepte seulement si, à condition, puisque maintenant l'amour est conditionnel, on accepte à condition que les choses soient à mon goût. Et voilà la déception de chacun d'entre nous, c'est qu'il n'y a rien sur cette planète qui ne sera totalement à ton goût, à 100%. Il y aura toujours une rivalité, hein, quelque chose qui va faillir à toute cette demande que tu veux, parce que tout ne fonctionne pas comme tu veux, comme la pensée l'a prescrite, comme la norme établie l'a exigée, comme les habitudes et les trains-trains que l'on a conclus pour avoir une zone de confort. La vie, elle est autre chose. Elle se manifeste d'instant en instant et elle est neuve. Et ton esprit, s'il reste dans le vieux, dans ce que tu as conclu, alors il ne pourra pas voir la beauté qui émerge. Et la beauté qui émerge, c'est seulement visible quand ton esprit est libre de toute pensée. Des fois, la vie te fait une surprise. Tu es assis sur le bord de la mer. Et tout d'un coup, tu es joyeux. Tu ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu as laissé ton esprit être emporté par la beauté que tu es. La beauté, l'essence de toute la beauté de la planète, de toute la nature, c'est l'essence qui est toi-même quelque part. Tu es cela. Et à ce moment-là, l'esprit est libre de ce que tu t'es fabriqué pour être ce que les autres voudraient que tu sois. Et c'est là toute la beauté de vivre ensemble sur cette planète, c'est de pouvoir être libre, ne plus être encombré avec toutes les choses que tu as acquises. Ça veut dire que tu es dans un moment où pour toi, aimer, c'est la seule chose qui importe. Tu aimes et tout ce que tu es par rapport à ce que le monde voudrait que tu sois n'a plus de sens. Perd tout son charme, toute sa valeur. Toute la pensée a fabriqué, le personnage que tu étais devenu, tout ça disparaît parce que de toute façon, il n'existe pas. C'est une fabrication de ce que la mémoire a fait émerger. La mémoire, c'est tout notre passé. Et tout notre passé fait justement que quand on regarde le présent, eh bien, on le regarde avec notre passé. On ne voit pas ce qu'il y a vraiment. On ne voit pas la réalité. On ne voit que ce qu'on a appris. Donc, tout ce que tu sais, en fait, tout ce que tu as conclu, t'empêche d'aimer. Parce que tu as conclu que les choses devraient être de telle ou telle manière. Et c'est pour ça que nous avons dans nos couples, dans nos vies respectives, beaucoup de problèmes avec le reste de l'humanité. On a peur du regard des autres parce que l'autre va te juger pour ne pas être à leur goût. Et comme tu n'es pas à leur goût, alors il y a une peur qui s'installe en toi parce que tu voudrais
quand même avoir le bénéfice de ce que chacun offre, l'affection, le partage, et tout ça, c'est des plaisirs que nous avons. Donc, nous voulons garder l'autre comme étant notre réconfort, notre soutien, et on ne veut pas le perdre. Donc, on fait semblant d'aimer, on fait semblant d'être ce qu'il veut, et puis en fait, on joue des rôles, quoi, on n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est très important, à mon sens, d'aller voir en soi tous les schémas de pensée, tous les schémas de pensée, toutes les idées qui se sont installées et qui nous empêchent d'être libres, d'avoir la tête libre, libre pour accueillir tout ce qui existe, sans juger. C'est ça, aimer. Aimer en toute liberté, sans condition, être soi-même.